Bienvenue à tous, c'est Jake pour une nouvelle édition de Rocking Chair présentée par C'est arrivé près Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons chez Nathalie et Jean-Michel pour vous proposer un groupe plutôt influencé du côté New Orleans. Ça va bouncer avec Big Noise. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter en concert acoustique Big Noise.
pour vous, c'était quoi vos impressions sur cette session Rocking Chair? Une équipe de beaucoup. On est dans une petite maison à 15. Ouais, avec les musiciens, on se retrouve vite à 20. Avec le public à 40. Bravo à toute l'équipe, quoi. Parce bravo que à vous, hein. Il faut savoir gérer ça, quoi. Donc voilà, les impressions, c'est ça. On a été percés par le mouvement. Mais comment le groupe s'est formé? Nous, on s'est rencontrés au conservatoire, hein, c'est ça? Nous trois. Ouais. Nous trois. Et Johan nous a rejoint après parce que on a dit, mais il nous faudrait quand même un peu d'harmonie dans tout ça. Oui. Il a fait le premier concert avec nous. Et il a fait le tout premier concert. Il avait avec nous depuis 6 ans et demi, quand même. C'est un peu un hasard. On a dû parler de lui pendant 2 ans. On avait arrangé à 3-4 morceaux. Et puis on n'avait plus. Après 4 morceaux, on avait fait une répète, quoi. Ouais. Et donc, on avait appelé Johan et... Joker. Yeah, man. Et l'influence, on est d'accord, vient du New Orleans, quoi. Ouais. Et la grande influence, c'est Louis Armstrong. Il charme toujours à l'heure actuelle. Ben oui. C'est quand même un ange. Cet homme-là, il raconte une histoire et tout, donc quand on écoute Louis Armstrong, on a envie de pouvoir retrouver ça avec nos instruments et c'est ce qu'on a. Mm-hmm. C'est notre plus grande influence. Maintenant, après, on est allé vers plein de choses différentes. New Orleans, c'est la ville qui a créé le jazz. Ouais. C'est le là que vient le jazz, vu que nous, on vient un peu du monde du jazz plus moderne à la base, plus années 50-60. D'accord, ok. Et si tu vas jusqu'à la source de presque de toute musique vient de la Nouvelle-Orléans. C'est de là que tout. C'est là que tout part. Et donc le principe de cette musique-là, c'est un métissage, et nous, en plus, on rajoute qui on est maintenant dessus. Donc ça permet aussi ce genre de démarche-là, en plus. Vous avez une anecdote à raconter? Quelque chose qui est hors du commun? Une culotte dans la batterie de Laurent, rappelle le string, Que t'as reçu. Je l'ai reçu là. Oui. Mais je l'ai vu, elle est montée de l'escalier, c'est le Seigneur Doc à Liège. Mardi Gras, quand elle te sentait... Elle est montée, elle a retiré sa culotte, elle l'a balancée, quoi. Est-ce que vous jouez souvent sur Bruxelles, en Belgique? La Wallonie. D'accord. Un peu partout en Wallonie, mais souvent les villes, c'est Liège et Bruxelles, quoi. Et sinon l'étranger, quoi, la France nous a déjà ouvert pas mal ses portes, à Marseille, à Aubagne, Autriche, on a été là aussi, c'était chouette, mais voilà, on bouge, mais on voudrait bouger davantage, ça c'est sûr. Peut-être à New Orleans, un de ces jours. Ouais, moi j'ai été à la Nouvelle-Orléans, et je vais voir Erin Riley, c'était magnifique, un batteur de Wynton Marsalis. C'était le plus beau concert de ma vie, quoi. Magnifique, ça joue, tous les coups sont beaux et tout. Et il arrive, déjà il arrive au tambourin, debout, boum, boum, en parade comme ça. Mm-hmm. Il arrive sur la scène, première chose qu'il fait, il n'y a pas 10 secondes, quoi. Il joue, pouf, il lance sa baguette, pouf, il la rate, quoi. J'avais bon, quoi, je suis là. Il venait d'arriver. Il la rate, il la rate, il la rate. Et alors il continue, il joue comme ça, tu vois, hein, il continue, il ramasse sa baguette et il fait et puis il continue à jouer sans sa baguette, tu vois, pour bien montrer qu'il n'a pas besoin de baguette. Ouais, pour jouer, ouais. Voilà, c'est beau, quoi. Vous avez des concerts qui sont prévus? Un site, c'est bignoise.be, c'est là où il y a toutes les informations. Je vais présenter vos deux albums, hein. Power Jazz New Orleans. Power Jazz New Orleans, enregistré avec le label Igloo. Igloo Records, sur Arex, sur Bruxelles, quoi. Et alors après, on a fait celui-ci, toujours chez Igloo. New Orleans Function. Et avec plus de morceaux traditionnels, carnaval indien et tout là, ça, c'est l'Orléans. C'est ça, c'est une évolution. Là, c'est plus des traditionnels, un peu old school, vraiment vieille école. Et puis là, c'est plus la tradition des carnavals. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Le son du tambourin. Mardi Gras et tout ça, quoi. Ouais, Gras, okay. Le son du tambourin. By the riverside, come by the riverside.
more. I ain't gonna study why no more. I ain't gonna study why no more. I ain't gonna study why no more. Et jusqu'à la prochaine, n'oubliez pas, we're gonna rock your chair!